Je pense qu'on fait déjà une très bonne première mi-temps où il nous manque une certaine efficacité offensive, voilà, pour rentrer à la mi-temps avec un avantage. Et on revient en deuxième mi-temps où sur nos temps forts, on arrive à marquer. Et je pense que c'est totalement logique. Voilà, on a 10 minutes difficiles quand ils reviennent au score sur ce tir de loin. Mais je pense que sur l'ensemble du match, on a fait ce qu'on avait envie de faire et puis notre victoire, elle est totalement méritée. On n'a pas très bien géré en première mi-temps. On aurait pu mieux faire, je pense. Je m'attendais à un match très difficile. Il a été très difficile, voilà, contre un bon adversaire. Il nous a posé beaucoup de problèmes. Et puis notre début de seconde mi-temps a été trop moyen dans l'impact. Ils nous ont broyé pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et puis après, on a relevé à nouveau la tête. Mais notre début de seconde mi-temps a été trop pauvre. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas su réagir ou se réveiller un peu plus tôt. C'est vrai qu'après avoir pris ce deuxième but, on a senti qu'on avait envie, qu'on poussait, qu'on allait tout donner jusqu'à la fin. Papy nous laisse espérer encore dans les dernières minutes, mais bon, c'est vrai que remonter deux buts face à ce genre d'équipe, qui est une équipe très solide, c'était difficile ce soir. On avait à cœur de bien faire, de consolider notre quatrième place. Voilà, chose qu'on n'a pas su faire. On s'est fait bouger, malheureusement. On n'a pas été dedans, dans les duels, tout ça. On n'a pas répondu présent